Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Ce matin, je voudrais aller en profondeur sur un enseignement qu'on avait commencé à Devançant l'Aurore. Et le Seigneur a permis ce matin que nous puissions parler de cela. J'avais préparé moi-même un thème, mais nous sommes soumis au Saint-Esprit qui nous donne la direction. Alléluia! Et nous voulons être obéissants au Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin dire à chacun d'entre nous, ce thème ou du moins cet enseignement va nous permettre de sonder les Écritures, de tirer des leçons et de pouvoir avancer avec le Seigneur. Dis Amen. 2 Rois 4, versets 1 à 7. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme dont des femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en fait ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va prendre l'huile et paie ta dette. Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi ce matin et acclame très fort Jésus de Nazareth. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui n'avancent pas. Pourtant, ils sont dans l'église de Jésus. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des projets, mais ne voient pas ces projets-là se réaliser. Et la frustration commence à entrer dans l'église. Et puisque nous savons pour certains jouer le jeu, nous sommes en joie de façade, mais à l'intérieur, nous traversons des moments compliqués. Et la pensée de Dieu, c'est de pouvoir traiter avec ce genre de choses depuis la chair, enseigner des choses qui peuvent nous permettre d'être connectés au ciel, mais de régner aussi sur la terre. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas la capacité d'être heureux sur la terre, il est deux fois plus frustré parce qu'il se dit qu'en donnant sa vie à Jésus, il a trouvé la bonne part. Mais si cette bonne part est si bonne, pourquoi alors ma vie n'avance pas? Pourquoi les choses ne se décantent pas comme je veux? C'est pourquoi nous allons tirer leçon de ce passage qui ne parle pas d'un païen, mais qui parle d'un serviteur de Dieu. D'un homme qui avait donné sa vie à Dieu, qui avait vécu dans l'intégrité. Combien aujourd'hui sont intègres? Peu. Mais cet homme-là était intègre parce que la Bible témoigne de son intégrité. La Bible dit que cette femme, qui est sa femme qu'il a laissée sur la terre parce que cet homme est mort selon l'écriture que nous avons lu tout à l'heure, c'est un serviteur de Dieu, un prophète de ministère. Et il va aller s'endetter. Et dans la vraie version, on dit il va aller demander, prêter, emprunter de l'argent. Et il ne pourra pas rembourser cet argent et il va mourir. Ma question que je me suis posée en lisant ce passage, numéro 1, est-ce que cet homme est mort selon le temps de Dieu? Est-ce que cet homme est mort parce que c'était son temps? Est-ce que cet homme est mort sous le poids de l'oppression de la vie? Nul ne pourra répondre parce que la Bible n'a pas signifié cela. Mais le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères, de nos sœurs meurent, souvent pas parce que c'est leur temps, mais souvent, ils meurent à cause de l'oppression des problèmes de la vie. Pourtant,
ils sont enfants de Dieu. Il y a des situations qui peuvent venir dans ta vie et créer un désordre, te bouleverser, élever ta tension. On parle alors d'hypertension, de AVC, et toutes ces choses ne sont pas nées par hasard. Ces choses-là sont nées de plusieurs stress accumulés. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas épargnée. Et nous ne pouvons pas venir seulement à l'Église et prêcher des choses, mais sans toucher ce qui blesse. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens endettés. Nous avons des chrétiens qui ont des problèmes. Nous avons des enfants de Dieu qui traversent des difficultés. Pourtant, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Pourquoi l'or et l'argent appartiennent à mon Père et moi, je suis malheureux? Pourquoi mes affaires ne bougent pas? Pourquoi dans ma génération, moi qui ai servi Dieu, moi qui adore Dieu, pourquoi ce n'est pas moi qui suis à la tête et c'est moi toujours qui suis à la queue? Tirons enseignement de ce passage. Écoutez-moi, le problème ce matin, c'est que nous nous endettons pourquoi? Première question. Cet homme s'est endetté, il a pris de l'argent avec quelqu'un. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent de quelqu'un qu'il allait demander par rapport à une situation. Souvent nos problèmes commencent le jour où nous allons nous endetter pour des choses qui ne valent pas la peine. Endetté pour aller faire des cheveux. Endetté pour aller inviter une go. Endetté pour aller Joe m'as-tu vu au funérail. Endetté. Le plus important, c'est pourquoi tu t'endettes. Parce que le problème, tu ne dis pas à ceux qui t'entourent, je suis allé m'endetter pour ça, ça et ça, et ça ne valait pas la peine. Mais tu expliques à tout le monde, depuis que je donne ma vie à Jésus, trop de problèmes, trop de problèmes. Tu as endetté pour quoi? Tu as pris l'argent des gens pour faire quoi? C'est ça. Pourquoi tu t'endettes? Parce que aller s'endetter, c'est être conscient que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de quelqu'un. Et qu'un jour, il te faudra rembourser cet argent. Mais quand tu t'en vas prendre pour investir dans des choses qui ne valent pas la peine, et le jour du remboursement, tu commences à prier. C'est quelle prière tu fais? Là, ton voisin rembourse l'argent de la personne. Dis rembourse. Dis rembourse. Il faut que je te parle ce matin. Si tu es d'accord, lève la main. Le problème de certains enfants de Dieu, certains chrétiens à travers le monde, c'est l'endettement pour des choses qui ne valent pas la peine. Souvent on s'endette à cause de la convoitise. Je vois quelqu'un qui est bien habillé, ce n'est pas encore ton temps de bien t'habiller, mais tu veux aller prendre de l'argent pour aller payer ce que tu ne peux pas supporter. Il y a des personnes qui commencent une année endettées parce que ton voisin a acheté un mouton, il va manger avec sa famille en fin d'année. Toi tu dis aussi, il faut que j'achète un peu. Tu es en concurrence avec quelqu'un. La convoitise, l'orgueil, souvent t'amène à t'endetter. Tu crains Dieu, mais ton cœur est noir. Tu crains Dieu, mais ton cœur là n'est pas humble. Tu crains Dieu, mais dans ton cœur, il y a des choses qui sont bizarres. Tu ne luttes jamais pour les choses de l'esprit, mais tu es toujours prêt à t'endetter pour que tu puisses paraître. Maintenant, après, lorsqu'on te dit rembourse ça, je ne comprends pas pourquoi tu ne vas pas vers les gens qui étaient sous la bâche du funérail. C'est à eux. Le monsieur qui a annoncé ton don là, c'est lui qui est ton pasteur. C'est lui que tu dois aller voir pour dire, monsieur qui a annoncé le don, je dois maintenant rembourser l'argent que tu as annoncé. Mais non, 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 tu viens vers le pasteur. Pasteur, j'ai des problèmes. Mais explique ce que tu as fait avec l'argent. Explique. Explique. Si ton voisin ne dit pas amen, c'est qu'il s'est endetté pour des choses qui ne valent pas la peine. Si son amen est trop exagéré, c'est qu'il cache quelque chose. Ça doit être au milieu. Les endettements, on s'endette pour quoi? On s'endette pour des talons, on s'endette pour des sacs. Mais la personne que tu vois là, est-ce que tu connais son passé? Est-ce que tu sais où la personne a commencé? Nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu leur demandes, mais où tu as enlevé ça? Oh Dieu béni, oh tu allais prendre crédit. Parce que tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Tu veux montrer à l'autre aussi que toi aussi c'est ton temps. Mon ami, on ne prend pas l'apocalypse de quelqu'un pour faire sa genèse. La Bible commence par Genèse et finit par Apocalypse. Toute personne qui vit une apocalypse a vécu une genèse, un commencement. Il a commencé quelque part, elle a souffert quelque part. Toi tu n'étais pas là-bas. Ne vois pas ce qui brille aujourd'hui pour que toi tu vas dire moi aussi je vais briller. Ce n'est pas encore ton temps. Tu n'es pas en concurrence avec les gens. Laisse-moi te parler. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont investi dans des choses qui ne valaient pas la peine.
Mais à l'heure de, du remboursement, tu es seul. Après les états à la cour, tu es seul. Après le fait qu'on ait chanté ton nom dans le funérail, tu es seul. C'est là que tu te rends compte que tu as fait un mauvais investissement. Le fait de s'endetter n'est pas un problème. Mais on s'endette pourquoi? Des gens se sont endettés et ont fait des projets. Aujourd'hui, qui ont grandi, ils ont remboursé leurs prêts. Ils sont devenus des leaders. Je bénis Dieu pour leur vie. Mais toi, tu t'endettes pourquoi? Ce monsieur s'est endetté. Il craignait Dieu. Il était pasteur. Mais il s'est endetté. Ma question, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? On ne saura jamais. Mais le fait est qu'il n'a pas pu rembourser. Quand quelqu'un ne rembourse pas de l'argent qu'il a emprunté, c'est qu'il a géré ça de mauvaise manière. L'argent qui n'est pas pour toi, aie peur de ça. Quand tu prends que c'est dans ta main, ce que Dieu t'a mis à cœur de faire avec ça, fais avec ça. On ne prend pas l'argent que tu as pris. Seigneur, donne-moi l'argent pour construire ma maison. Et tu prends cet argent-là maintenant pour aller au funérail. Non, comme c'est la grand-mère de mon père, de la tante de mon petit frère. Mon ami, si on veut fouiller, nous, on est tous parentés dans la salle. On s'endette pour quoi? Papa, est-ce que tu prêches ce matin que m'endetter, c'est mauvais? T'endetter, même les pays s'endettent pour pouvoir développer leur nation. Mais toi, tu t'endettes pour quoi? Souvent, c'est le motif là qui est mauvais. Alors, allons au secondo. Le monsieur s'est endetté, il n'a pas pu rembourser et il est mort. Lorsqu'il meurt, sa femme se lève et elle va crier chez le prophète Élisée. Vous savez, souvent, ce n'est pas bien d'attendre que tu aies des problèmes pour apprendre la prière. Les chrétiens d'aujourd'hui, aussi longtemps que le problème ne vient pas dans leur vie, ils ne prient pas. Ils attendent qu'il y ait un problème. Mais de toi à moi, tu pries qui? Dieu. Mais quand Dieu ne te voit pas prier et que c'est quand tu as les problèmes seulement que tu pries, tu penses qu'il peut t'exaucer? Toi-même, quelqu'un ne vient jamais te dire bonjour. Mais c'est quand toujours il a besoin d'argent qu'il vient te voir. Tu peux lui donner tous les jours? C'est pourquoi beaucoup disent, mais je ne suis pas exaucé. Parce que Dieu te voit comme un chrétien d'intérêt. Comme une chrétienne d'intérêt. C'est lorsque c'est chaud. Lorsque actuellement tu n'as pas payé ta maison, on doit venir te vider. Lorsqu'il y a des problèmes de loyer, lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, c'est en ce moment-là que tu pries. Quel genre de prière es-tu? La femme là n'est jamais allée voir Élisée. Mais le jour où elle a eu problème, elle connaît la route d'Élisée. Ne soyons pas des chrétiens intéressés. Quand ça va, viens vers Dieu. Quand ça ne va pas, viens vers Dieu. Pour que le jour, quand Dieu te voit venir, il sait que ça c'est un enfant qui m'aime. Il n'attend pas problème pour venir. Elle n'attend pas problème pour venir. Lorsque tout allait bien chez elle, elle était là. Mais pourquoi c'est quand ton travail est menacé que tu ne sautes plus le culte? Mais quand jamais ton travail va bien, là tu n'es plus au culte. C'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux que je continue, dis continue papa. Donc le problème numéro un, pourquoi je m'endette dans la vie? Un enfant de Dieu doit avoir peur du crédit. Parce que la Bible dit, celui qui endette devient l'esclave de celui avec qui il est endetté. Celui avec qui il a emprunté, il devient son esclave. Quand quelqu'un doit à quelqu'un, la personne te commande. Quand la personne crie, tu dois te taire. Parce qu'elle connaît ton affaire. Même dans une affaire où la personne n'a pas raison, tu n'es même plus libre de dire que tu n'as pas raison parce que tu lui dois de l'argent. Donc affaire de dette là, c'est une affaire de prison. Lorsque tu t'en vas prendre l'argent de quelqu'un, sois sûr de ce que tu vas faire avec ça. Et fais tout pour lui rembourser ça rapidement afin d'être libéré de cet endettement. Dis amen. Un chrétien qui ne paye pas ses dettes est un mauvais chrétien. Dis amen. Tu dois payer tes dettes. Alors elle crie au prophète Élisée. Le cri ici vient du mot hébreu stak, qui signifie la demande. Donc en fait c'est une sorte de prière. On a vu Bartimée qui a crié en son temps, qui a prié. Donc le cri symbolise la prière. Elle prie, mais ce jour-là, parce qu'elle a des problèmes. Et je veux dire à toi qui m'écoutes, n'attends pas d'avoir des problèmes avant de prier. Enfant de BCK, n'attends pas d'avoir des problèmes avant de prier. Prie en tout temps. On a dit prier sans cesse. On a vu la prière pas longtemps ici. Et Dieu aime ceux qui prient en bon ou en mauvais temps. C'est la preuve que tu l'aimes réellement. Dis amen. Maintenant, la femme va voir le prophète. Et puis, elle lui dit, mon mari, ton serviteur est mort. Maintenant, le créancier est venu prendre. Vous savez, la plupart des gens qui sont des mauvais chrétiens n'ont aucun respect pour Dieu.
Lorsqu'ils arrivent, c'est comme si Dieu est obligé de leur donner ce qu'ils demandent. Donc leur façon de prier même est avec arrogance. Voilà, j'ai été dans l'église, moi j'ai toujours fait. Quand tu vois quelqu'un qui explique ce qu'il a fait pour Dieu, c'est que c'est un mauvais chrétien. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, là, on ne peut pas compter. Ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce qu'on peut compter? Ce que Dieu a déposé dans ta vie, est-ce qu'on peut compter? Mais quand tu vois un chrétien tous les jours qui explique ce que lui a fait pour Dieu, c'est un mauvais chrétien. Elle explique, mon mari servait Dieu, mon mari était bien, maintenant il est mort. En un mot, elle ne peut pas dire au serviteur que votre affaire de Dieu là, ce n'est pas clair. C'est ça qu'elle a là. Ton mari, mon mari servait Dieu. En un mot, s'il sait Dieu, pourquoi il est mort? Mon ami, même si tu sais Dieu, un jour on va tous mourir. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que quelqu'un vient à l'église, il ne va pas mourir. Donc quand il vient à l'église, on dit pourquoi il est mort, mon ami, pourquoi les héros de la Bible sont morts? Parce que la mort va atteindre tout le monde. On est né, on va partir. Et la manière on va partir, là où on va partir, c'est pourquoi on se bat aujourd'hui. Donc je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas une église, le visage d'un pasteur, pour penser qu'il n'y a pas de mort, mon ami. On est nombreux ici, on n'a pas le même jour d'anniversaire, donc on n'aura pas le même jour de mort. Mais un jour, chacun va partir. Donc le fait qu'une personne tombe dans une église, ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'église. Acceptons de comprendre que la mort est réelle. C'est la chose la plus sûre du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle arrive, elle parle à Élisée. Elle dit à Élisée son problème. Pour elle, je vais vous expliquer pourquoi elle allait voir le prophète Élisée. Parce qu'en fait, je pense que cette femme avait un passé de maraboutage. Tu allais endetter, tu n'as pas expliqué à ton pasteur. Élisée n'est pas au courant que tu as pris l'argent. Il n'est même pas au courant que toi et ton mari, vous êtes allés prendre crédit. Parce que peut-être que vous avez dit que vous allez payer la dîme. Vous savez, souvent dans la vie, quand tu n'as pas de paix spirituelle, tu finis comme ce genre de personne. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire seul. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que sans Élisée, ils peuvent avancer. Élisée n'est pas là pour te détruire. Élisée est là pour t'aider. Mais n'attends pas que tu aies toujours des problèmes avant de venir voir Élisée. Élisée est leur père. Mais combien de fois la Bible parle du fait que son mari allait voir Élisée? Rarement. Parce qu'en fait, quand c'est pour la prière, Élisée est bon. Mais quand c'est pour lui expliquer qu'il y a l'argent, on veut investir. Non, Élisée peut dire non, fais une action. Fais une offrande. Donc on va cacher. Tu as caché l'argent là, maintenant tu es mort avec ça. Tu n'as pas pu rembourser. C'est chaud, tu viens voir Élisée. C'est la vie d'aujourd'hui. C'est la vie d'aujourd'hui. Les chrétiens ne viennent pas voir leur pasteur pour leur dire, papa, voici quelques... Il y a certains à BCK, je bénis Dieu parce que la majorité le font. Mais il y a certains qui ne le font pas, qui viennent là. Non, est-ce que... papa, est-ce que je peux investir dans ça? J'ai tel nombre de mille. Quand ouais, les gens allaient au bureau là, ce n'est pas autre chose souvent. Hein? C'est leur argent pour investir. On prie là-dessus. Et puis on leur dit que Dieu t'accompagne. C'est déjà une bénédiction. Mais il y a des gens qui cachent. Tu caches quoi? On va faire quoi avec ta chose là? Tu caches ça pourquoi? Et tu t'en vas investir. Quand ça ne va pas maintenant, tu reviens. J'ai investi, je ne comprends pas. Mais quand tu investissais là, tu as dit à qui? Élisée n'est pas au courant. Mais un père reste un père. Élisée dit, même si tu as fauté, le père doit te relever. Alors Élisée va parler à la femme. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu as à la maison? Ça a cassé la femme. Vous savez pourquoi ça l'a cassé? Parce qu'elle est venue voir Élisée, pas pour qu'on lui demande tu as quoi à la maison. Elle est venue voir Élisée pour qu'Élisée prie, pour que le monsieur oublie son argent. La plupart des chrétiens, c'est ça. Quand ils viennent te voir pour dire, papa, j'ai des problèmes de dette, on veut m'arrêter. En un mot, il ne peut pas te dire, mais il dit, il faut prier pour que la personne oublie son argent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a pris sa sueur pour te donner de l'argent? Est-ce que tu penses que c'est normal que quelqu'un doit prier pour que lui oublie son argent? Est-ce que Dieu peut exaucer de telles prières? Voici comment certains quittent l'église. Tu allais t'endetter à 7 millions, à 19 millions, à 52 millions. Maintenant tu viens, on n'a qu'à prier tout de suite là, en deux minutes au bureau. Tu as bouffé l'argent là pendant 8 ans. On n'a qu'à prier tout de suite en deux minutes pour que la personne là lui son argent, sorcier que tu sois. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Si le pasteur est un homme qui n'a pas d'affaires, mais moi, Bishop César Cassé, je ne peux pas. Parce que j'ai prêté aussi à certains. Si on doit prier aussi pour que moi aussi j'oublie, ça ne peut pas nous arranger tous ici. Ah, ça ne peut pas nous arranger. Donc, ce que tu sèmes là, tu vas le moissonner. Moi, de prier pour que ton gars oublie, Dieu aussi va permettre que quelqu'un prie pour que moi aussi j'oublie. Je refuse d'oublier. Je dois reprendre ce que j'ai prêté. Dis amen. Demande à Dieu de t'aider à réaliser tes dettes, à pouvoir payer tes dettes. Mais ne prie pas Dieu pour que la personne...
personnes oublient. Et j'ai vu des pasteurs souvent qui prient. Oh, que tous ceux à qui vous devez oublier, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui a pris sa sueur pour te donner, il faut que tu rembourses. Il faut que tu rembourses. Un jour, je prêcherai sur les dettes. Est-ce que vous savez que quelqu'un à qui tu dois, il a une autorité sur toi physiquement, mais il a une autorité sur toi spirituellement? Oui, je vais vous enseigner ça un jour. C'est pourquoi la dette est dangereuse. C'est pourquoi ce qui fait que les gens tuent les gens sur l'église, c'est une affaire de dette. On ne joue pas avec la dette, que ce soit spirituelle comme physiquement. Spirituellement, tu vois qu'on dit, il devait donner une personne. Il avait une dette, c'est pourquoi ils ont tué la personne. Parce qu'on ne joue pas avec les dettes. Dis amen. La femme croise Élisée. Mais Élisée est un pasteur comme moi. Un pasteur qui a les stratégies et un pasteur qui est véridique. Il dit, ma fille, tu as quoi chez toi à la maison? Elle dit, je n'ai rien. Vous voyez? Et puis après, elle dit, j'ai un peu d'huile. Le problème des critiques de cette génération, c'est la minimisation de l'onction. L'huile, là, elle pense que c'est rien. Pour elle, elle voulait avoir 3 millions à la maison. Là, elle a dit, j'ai 3 millions, complète-moi. Mais l'huile, là, elle dit, ça, ce n'est rien, ça. L'onction qui doit te donner la multiplication, tu minimises. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu minimisent l'onction. On prie pour toi, mais tu ne considères rien. C'est pourquoi aujourd'hui, quand des gens viennent pour chercher la prière, quand tu leur dis tu es béni au nom de Jésus, tu fais une prière de quelques secondes, la personne se dit non, le pasteur ne prie pas bien pour moi. La femme dit, est-ce qu'on peut prier? Élisée dit, voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle a minimisé l'onction. Combien qui minimisent l'onction? C'est pourquoi aujourd'hui, des gens sont venus vous faire des actions prophétiques qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Voyez, quand la parole de Dieu n'est pas prêchée, on est dans un fétichisme religieux. Ce qui est vrai devient faux. Et ce qui est faux devient vrai. Parce qu'il n'y a pas la lumière que la parole. La parole ne vient pas nous éclairer. La parole ne vient pas nous montrer le chemin. Cette femme-là, son mari était prophète, mais elle n'était pas spirituelle. Elle était religieuse, mais elle n'était pas spirituelle. La religion, c'est le fait de penser que Dieu va te donner parce que tu es à l'église. La spiritualité, c'est le fait de se rapprocher de Dieu. Elle n'était pas proche de Dieu. Mais le jour, elle est venue voir Élisée. Elle dit, mon mari, Élisée dit, on ne fait rien avec ça. Ton mari craignait Dieu, ce n'est pas ça qui est le problème. Hein. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Vous avez minimisé l'onction. Vous êtes chrétien, mais vous pensez comme des païens. Vous êtes chrétien, vous voulez faire des projets, mais vous oubliez qu'il faut l'onction d'abord. Vous avez minimisé l'onction. Vous êtes parti faire des projets qui ont échoué. Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, voilà. Je vais te montrer que c'est l'onction qui fait la différence. Donc répare maintenant chez tes voisins. Demande beaucoup de choses. La femme a regardé, elle dit, c'est quel voisin? Il dit, voisin chrétien. Il dit, non, chez tous tes voisins. Vous savez, aujourd'hui nous avons affaire à des chrétiens qui ne sont pas bénis. Parce qu'ils sont hautain, orgueilleux comme pas possible. Les chrétiens pensent que c'est eux qui gouvernent tout. Pourtant, nous n'avons rien. Parce qu'on ne veut pas développer notre façon de voir la vie en Christ. On veut rester dans des enseignements folkloriques, des anciens enseignements endoctrinés. On t'a endoctriné avec des enseignements qui ne sont pas vrais. Et tu es calé dans ça. Tu penses que tu es supérieur aux autres. Parce que tu as une Bible. Écoutez, le voleur de la croix n'a jamais fait ce qu'on a fait. Mais il a hérité du royaume. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu a vu son cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Tu peux être dans l'église 24 heures sur 24, mais est l'état de ton cœur. C'est ça qui est la vérité. Tu peux prier, tu peux danser, tu peux plonger, mais est-ce que ton cœur est vrai? Ne minimise pas l'onction. C'est l'onction de Dieu qui te met dans la hauteur. C'est l'onction qui t'élève. Et Dieu, là, avant de t'élever, je vous dis la vérité, regarde ton cœur. Il y a des gens qui se sont élevés eux-mêmes. Tu peux briller devant les hommes, on va t'acclamer. Mais quand les gens vont t'approcher, ils vont voir qu'en bas de toi, là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Mais quand c'est Dieu qui t'élève, toute l'armée de la terre doit s'élever contre toi, mais ils ne pourront pas te vaincre. On peut mentir sur toi, ça ne t'inquiète pas. On peut dire des choses, ça ne t'inquiète pas. Parce que c'est Dieu qui te protège. C'est lui qui est dans ton affaire. C'est Dieu. Ne minimise pas l'onction, mets l'onction devant. Le temps de Dieu est le meilleur. Toi tu penses que tu es en retard. Toi tu penses que les autres t'ont dépassé. Mais Dieu sait quel est le temps le meilleur pour pouvoir te présenter au monde. Il sait qu'il va parler de toi. Il sait qu'il va ouvrir le voile pour que les gens te voient, pour que les gens te découvrent. Ça fait combien d'années on est sur la toile, mais il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois. Mais où est cet homme de Dieu? Des gens m'écrivent, papa, mais on n'a jamais entendu parler de toi. Quand Dieu ne veut pas qu'on te voit, si tu veux,
faut te mettre sur la route, on ne te voit pas. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Dieu veut voir jusqu'à où tu aimes ses brebis. Est-ce que toi là, tu veux 1000 personnes, tu veux 2000 personnes dans ton église parce que tu veux la foule, ou bien tu veux 2000 personnes parce que tu aimes les enfants de Dieu? Est-ce que toi là, si tu donnes 2000 enfants, est-ce que tu peux les aimer? Est-ce que tu peux, vous savez ce que le démon, le roi demande comme force physique? Faut prier avant d'évancer l'aurore parce que tu es la cible de tous les mystiques dans le monde. Faut prier après d'évancer l'aurore. Faut prier pendant d'évancer l'aurore. Ça ne compte pas dans tes heures de prière par rapport au ministère. Tu n'as plus de vie. C'est pourquoi souvent quand je dis acclamons Dieu pour cette femme, faut comprendre au lieu d'aller parler au marché. La femme du monsieur là, dont il est question ici là, son mari sait Dieu, mais elle n'était pas dans l'affaire. C'est pourquoi Dieu dit aujourd'hui là, toi et moi, on va se croiser. Va chez tes voisins. Elle critiquait tout le monde. Elle jugeait tout le monde. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est juger les gens. Ils ne sont pas propres, mais il faut les voir en train de parler des autres. Ils ne sont pas propres, mais c'est eux qui connaissent ce qui est dans la vie des autres. Ils ne sont pas propres, mais ils sont assis dans les églises. Ils regardent, ils regardent. Cher Colombo, des enfants de Dieu qui sont parmi nous mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Quel camarade tu as choisi dans l'église? Choisis bien tes camarades. Choisis bien tes amis. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, leur maladie est trop grave. Papatoya avec Masters plus 4. Des gens à une hauteur. Que Dieu nous rende humbles. Que Dieu nous donne l'humilité. Que Dieu nous accorde la grâce. Alors pourquoi je prêche aussi terre à terre? C'est pour nous montrer du point du doigt nos activités de chaque jour, nos volontés, la façon dont nous nous faisons. Parce que si je prêche un message trop sophistiqué, vous n'allez pas comprendre le fond de ce que je veux dire. Cette femme avait un problème, elle jugeait les gens. Cette femme avait un problème, elle ne fermait pas sa bouche et Dieu a opéré le miracle. La dernière chose qu'elle a faite, c'est qu'elle est repartie voir l'homme de Dieu. Elle a appris ce qu'on appelle la reconnaissance. Quand un homme de Dieu a été une bénédiction pour toi, quand Dieu t'a béni, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question même de sémence. Il faut revenir dire Dieu a opéré le miracle. Beaucoup de personnes ne rendent pas témoignage parce qu'en fait, ils ne veulent pas que les gens sachent que Dieu a opéré le miracle. Alors que la seule chose que Dieu peut accepter, la seule chose que Dieu gagne, c'est quand tu t'arrêtes pour dire Dieu a fait le miracle. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas devant les gens pour dire que Dieu a fait, Dieu se dit qu'il a travaillé cadeau. Donc aujourd'hui là, tu l'as eu, mais demain, tu ne vas plus jamais l'avoir. Est-ce que je parle, quelqu'un entend? Numéro 9. La dernière chose que je vais vous dire avant qu'on le prie, c'est le côté de l'entrepreneuriat. Il a dit à la femme, ton problème a commencé le jour où tu as pensé que tu allais t'asseoir pour manger. Il faut commencer à vendre l'huile et tu vas vivre avec toi et tes enfants et tu vas payer tes dettes. Parce que tes dettes là, tu dois payer. En fait, aujourd'hui, tu es fâché contre le créancier parce que tu n'as pas l'argent pour rembourser. Mais si tu as de l'argent pour rembourser, tu vas voir que c'est un honneur pour toi que de rembourser tes dettes. Donc pour ça, fais un commerce, fais quelque chose et Dieu va bénir la chose. Quand tu es enfant de Dieu, même avec tes 50 000, montre à Dieu, dis voilà ce que j'ai. Toi qui as multiplié le pain et le poisson, multiplie ça. Car moi aussi, je veux écrire mon histoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Lève-toi et nous allons prier. Nous allons parler à l'Éternel. Il agira, il le fera haut, il le fera haut.